Bonjour. Bon, on va calculer l'intégrale de 0 jusqu'à racine de 3 de x cube sur racine de x carré plus 1 dx. Voilà, on va faire un calcul direct. Bon, on a intégrale de 0 jusqu'à racine de 3. X cube sur racine de x carré plus 1 dx est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à racine de 3 x facteur de x carré plus 1 moins 1 dx sur racine de x carré plus 1. Bon, ici 1 moins 1 c'est 0, x multiplié par x carré donc est égal à x cube. Donc cette quantité est égale à l'intégrale de 0 jusqu'à racine de 3, x facteur de x carré plus 1 moins x sur racine de x carré plus 1 dit de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à 3, x facteur de x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1 moins x sur racine de x carré plus 1 d de x. Et il y a l'intégrale de 0 jusqu'à racine de 3, donc x racine de x au carré plus 1 au carré sur racine de x au carré plus 1 moins. Ici, on va multiplier par 2, on va diviser par 2. Et égal à l'intégrale de 0 jusqu'à racine de 3. Ici, on va simplifier par, donc on aura racine de x carré plus 1, moins 2x de racine de x. Donc 2x, c'est la dérivée de x carré plus 1 prime. Sur la racine de x carré plus 1 dit de x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à la racine de 3. Bon, x, donc c'est 1 demi multiplié par 2x racine de x carré plus 1 moins. Bon. Ici, f' sur la racine de f, il n'y a rien d'autre que la racine de f'. Donc, c'est x carré plus 1 prime. Plus 1 moins racine de x au carré plus 1 prime d de x est égal à intégrale de 0 jusqu'à racine de 3 1 demi et si x au carré plus 1 prime multiplié par x plus 1 puissance 1 demi moins racine de x carré plus 1 prime d de x. Et si nous avons f' multiplié par f puissance r, donc il n'y a rien d'autre que la dérivée de x carré plus 1 puissance 1 plus 1 sur 2 sur 1 plus 1 sur 2 le 2 prime moins racine du x carré plus 1 prime du x qui est égal à intégrale de 0 jusqu'à racine de 3 1 demi et ses facteurs pardon 1 plus 2 c'est bon ainsi de suite donc plus 1 c'est 3 demi donc c'est x plus 1
le sens 3,5 sur 3,5. Bon, on va simplifier avec parent, avec site 2, moins racine de x au carré plus 1, prime du x, est égal à intégrale de 0 jusqu'à 3, 1 sur 3. Ici, si x au carré plus 1 multiplié par la racine carré de x plus 1, prime moins racine de x au carré plus 1, prime, pardon, du x. Donc ici nous avons la différence de dv, donc ça dérive la différence. Il y a l'intégrale de 0 jusqu'à racine de 3, 1 tiers, voilà, acte de x au carré, racine de x au carré plus 1, moins racine de x au carré plus 1, le prime du x. Ceci n'est rien d'autre que l'intégrale de 1 sur 3 x au carré plus 1. Bon. Plus. Pardon. Oui. Moins 1 facteur de racine de x au carré plus 1 de 0 jusqu'à racine de 3. Bon, pour x est égal à racine de 3, racine de 3 au carré, c'est 3 plus 1 c'est 4, donc 4 tiers. Moins 1. Moins. Pour x est égal à 0. On aura un tiers moins 1 multiplié par 1. Donc, il est égal ici 4 moins 3 sur 3 moins ici un tiers plus 1. Donc, il est égal 4 moins 3, c'est 1. 1 sur 3 moins 1 sur 1 sur 3 moins 1 sur 3 est égal à 0. Donc, il est égal à 1. Bon, on va refaire ce calcul, pardon. On va refaire ce calcul. Nous avons x3 sur racine de x carré plus 1 est égal à x facteur de x carré plus 1 moins x sur racine de x carré plus 1 est égal à x, bon pardon, x carré plus 1 sur racine de x au carré plus 1 moins x sur racine de x au carré plus 1 qui est égal à x racine de x au carré plus 1 au carré sur
racine du luxe carré plus 1 moins x sur racine du luxe carré plus 1. On simplifie par racine de x plus 1. Donc, il y a x racine du x carré plus 1 moins 2x sur 2 racines du x carré plus 1 qui est égal à 1/2 multiplié par 2x racine du x carré plus 1 moins la dérivée du x carré plus 1 sur 2 racines du x carré plus 1. Donc, est égal à 1/2 la dérivée du x carré plus 1 prime. Bon, du x n'est rien d'autre que la dérivée du x carré plus 1. Racine du x au carré plus 1 moins. Ici, f prime sur 2 racines du f n'est rien d'autre que racine du f prime. Donc, est égal à 1/2. Ici, nous avons f prime multiplié par f puissance r. Donc, on aura x carré plus 1 puissance r plus 1. Bon, ici, pardon. Prime, x carré plus 1 prime moins, pardon. F x carré puissance 1/2. Pardon. Moins racine de x carré plus 1 le tout prime. Donc, il est égal à 1/2. X carré plus 1 prime. X carré plus 1 puissance 1/2 moins racine de x carré plus 1 prime. Donc est égal à 1/2. Bon, ici f prime multiplié par f puissance r, mais là donc que f puissance r plus 1 sur 1/2 plus 1 le petit prime moins racine de x carré plus 1 prime qui est égal à 1/2 x carré plus 1 puissance 3/2 sur 3/2 prime moins racine de x carré plus 1 prime qui est égal, donc c'est 3/2, donc c'est 1 tiers x plus 1 racine de x carré plus 1 le prime moins racine de x carré plus 1 prime qui est égal. Bon, ici nous avons la différence du dérivé, donc la dérivée, c'est la dérivée de la différence, donc c'est 1 tiers x carré plus 1 racine de x carré plus 1 moins racine de x carré plus 1 le tout prime qui te donne donc 1 tiers du x carré plus 1 moins 1 racine du x carré plus 1 le tout prime. Donc, intégrale de 0 jusqu'à racine de 3
x cube sur racine du x carré du x est égal à l'intégrale de 0 jusqu'à racine de 3, 1 sur 3, x carré plus 1, moins 1, racine du x carré plus 1, prime du x. C'est égal donc à 1 tiers x carré. Ici, 1 tiers multiplié par 1, c'est 1. C'est 1 tiers, pardon, moins 1, c'est moins 2 tiers. Moins 2 tiers, racine du x carré plus 1. Oui, de 0 jusqu'à racine de 3. Bon, pour x est égal à racine de 3, on a racine de 3 au carré, c'est 3. 3 sur 3, c'est 1. 2 sur 3, 1 moins, bon, 1 moins 2 sur 3. Donc, c'est 3 sur 3 moins 2 sur 3, c'est 1 tiers. Racine de x carré plus 1. Donc on aura 2 tiers, pardon, égal 2 tiers. Et c'est racine de 3 au carré, c'est 3. 1 tiers de 3, c'est 1. 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers. Multiplié par 2, c'est 2 tiers. Pour x est égal à 0, on aura ici 0. C'est moins 0. Bon, ici, pardon. Ici, pardon, on a factorisé par racine de x carré plus 1, donc on aura moins 1 ici, 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers. Donc ici, 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers. Oui. Moins 2 tiers, donc c'est 1 tiers x carré, moins 2 tiers, facteur de racine de x carré plus 1. Bon, pour x est égal à racine de 3, on aura racine de 3 au carré, c'est 3. 1 sur 3 de 3, c'est 1. 2 sur 3, 1 moins 2 sur 3, c'est 1 tiers. Racine de 3 au carré, c'est 1 plus 1, c'est 4. Racine de 4, c'est. C'est 2. 2 multiplié par 1 tiers, c'est 2 tiers. Moins. Bon. Moins. Pour x est égal à 0, ici nous avons moins 2 tiers. Ici 0, c'est 1. 2 tiers. Donc il y a un problème quelque part ici. Bon, pour x est égal à racine de 3, on aura, pardon, on va écrire ici égal à 1 sur 3 à racine de 3 au carré plus 1 moins 1 racine de 3 au carré plus 1 moins. Pour x est égal à 0, on aura 1 tiers moins 1. Bon, 0, c'est 1. Donc ici, racine de 3 sur 3, c'est 3. 3 sur 3, c'est 1. 1. Bon, pardon. Racine de 3 au carré, c'est 3. 3 plus 1, c'est 4. 4 tiers moins 1 multiplié par 2 moins ici 1 tiers. Donc c'est moins 2 tiers. Ici
si 3, 1 tiers, 2 tiers, moins 2 tiers, donc si 2 tiers, moins 2 tiers, si 2 tiers, plus 2 tiers, l'intégrale à 4 sur 3. Donc, l'intégrale, il vaut, pardon, après la vérification, il vaut 4 tiers. Donc, intégrale de 0 jusqu'à racine de 3, x3 sur racine de x carré plus 1 dit du x est égal. Bon, cette intégrale, il faut. Pardon. Intégrale de 0 jusqu'à racine de 3, x cube sur racine de x carré plus 1 dit du x est égal à 4 sur 3. Voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.